Chers téléspectateurs du réseau C'est les Lumières, chers pèlerins de l'oratoire Saint-Joseph, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, l'Église célèbre le Saint-Nom de Marie. Écoute, regarde et tends l'oreille, nous rappelle le psaume. En ce début d'Eucharistie, faisons silence pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire, que notre cœur se tourne vers lui en implorant sa miséricorde. Seigneur Jésus, parole incarnée du Dieu vivant, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, reflet de l'amour du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, vie livrée dans le silence de la nuit, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions, accorde-nous les bienfaits de ta miséricorde à nous tous qui célébrons le nom glorieux de la Sainte Vierge Marie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, au sujet du célibat, je n'ai pas reçu d'ordre spécial du Seigneur, mais je donne mon avis, moi qui suis devenu digne de confiance grâce au pardon du Seigneur. Je pense que le célibat est une bonne chose, étant donné les événements redoutables qui nous attendent. Oui, c'est une chose bonne de vivre ainsi. Tu es marié, ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme, ne cherche pas à te marier. Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché. Et si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui choisissent cette vie y trouveront des épreuves. Et c'est cela que moi, je voudrais vous éviter. Je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui sont heureux, comme s'ils n'étaient pas heureux. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient pas. Ceux qui tirent profit de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas. Car ce monde, tel que nous le voyons, est en train de passer. Parole du Seigneur. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges, que les peuples te rendent grâce,
toujours, à jamais. Car votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus s'était arrêté dans la plaine et la foule l'entourait. Regardant alors ses disciples, Jésus dit : Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils vous insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'avons-nous entendu en première lecture? Que dit Paul à la communauté chrétienne de Corinthe? Tout simplement qu'il ne faut pas chercher à changer sa condition. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Paul demande aux Corinthiens, aux Corinthiennes, de ne pas changer leurs conditions? C'est que parce que pour lui, le retour du Christ est imminent. Il y a comme un état d'urgence. Arrêtez de vous occuper des détails de votre vie pour vous centrer sur l'essentiel, sur le Christ. Sur Jésus, sur le Christ qui doit bientôt revenir. C'est la pensée de Paul. Qu'est-ce qu'il faut en retenir pour nous aujourd'hui? On sait que le Christ, on l'attend toujours, du moins son retour d'une façon imminente. On sait que le Christ est avec nous, mais son retour définitif, on l'attend toujours. Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que le monde tel
que nous le connaissons est en train de passer. Il ne faut pas simplement se fier aux apparences, mais se tourner vers l'essentiel, se tourner vers Dieu, vers le Christ. Vous vous souvenez également de l'Évangile? Ce qu'on y dit dans cet Évangile-là, c'est qu'il y aura un renversement des situations. Ceux qui rient présentement pleureront. Ceux qui sont riches seront pauvres. Mais ceux qui seront pauvres et malheureux deviendront riches et heureux. Saint Frère André disait dans ses mots, « Notre véritable patrie, c'est le ciel. » Qu'est-ce à dire? Bien sûr, il faut avoir les deux pieds sur terre. Il faut vivre dans la réalité de notre monde. Mais ne jamais oublier que l'essentiel, c'est Dieu, c'est le Seigneur, c'est le Christ, et qu'il nous a promis un revirement de situation si on le suit pas à pas. Ceux qui le font, qui lui font confiance et qui peuvent avoir aujourd'hui des désavantages à le suivre, eh bien qu'un jour, ils seront récompensés de la vie éternelle et du bonheur éternel. Quel message d'espérance pour nous, chrétiens, chrétiennes. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, accepte nos offrandes et que la vénération de son nom nous rende agréable auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière. En choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter avec la Vierge Marie. Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, pour les personnes que nous portons dans nos prières, dans nos cœurs, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints, saintes de tous les temps, Saint Frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme la Vierge Marie, comme Saint Joseph, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons apprise de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Par l'intercession de Marie, la Mère de Dieu, nous implorons, Seigneur, la grâce de ta bénédiction. Fais que, dans tous nos besoins, nous ayons l'assistance de celle dont nous célébrons le nom vénérable, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint-Joseph, Saint-Frère André veille sur vous et sur vos familles. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons...